I'm going to go to the hospital.
Oh.
Tu as les tickets, chérie? C'est la troisième fois que tu me demandes, chérie. Je les ai, oui. Enfin, je les avais jusque-là. Je vais les chercher. Jake! Non! Jake! Je les avais presque. Jake! Reviens ici tout de suite, fiston! Mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Oh, les voilà! Zut! Écoutez, si je pouvais raser cet endroit puant et nocif et vous vendre le terrain aujourd'hui, je le ferais. Mais vous savez bien que la ville l'a réservé pour le cirque exclusivement. Et pour pouvoir vendre, il faut que je prouve que ce cirque n'intéresse plus personne. Et j'espère que vous faites tout pour cela. Vous savez, je pourrais toujours trouver un autre terrain pour mon usine d'uniformes scolaires. Disons que mes assistants sont assez malins pour rendre un cirque moins attrayant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un public à décevoir. Je dois sauver le cirque. Fiston. Maman, papa, attendez! C'est Monsieur Loyal! Non, non, ne faites pas attention! Partez, s'il vous plaît! Partez! Ne revenez pas! Merci, au revoir! Il fait tout pour détruire le cirque! C'est vrai! Il a obligé les animaux à gâcher le spectacle pour qu'ils puissent vendre le terrain à une usine d'uniformes scolaires! C'est la vérité. Je peux plus supporter ce cirque. Les spectacles, les bruits, les odeurs. Ah, que diriez-vous si à chaque fois que vous ouvriez la portière de votre voiture, 15 clowns essayaient de s'y empiler? Oh, je ne crois pas que vous apprécieriez tant que ça si vous étiez à ma place. Très bien, vous m'avez eu. Je veux partir. J'accepte toutes les propositions. Allez-y. Accepteriez-vous ceci? Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon cirque!